Abdelkader est la grande figure de l'Algérie et, et au XIXe siècle de l'islam. Il est né en 1808 dans le village d'El Gelna, situé à proximité de Mascara, à 100 km d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie. Et euh, il se trouve qu'il appartient à un milieu assez particulier puisqu'il descendrait directement du prophète. Son père, Mouyedine, est une très très grande figure de la région. C'est un cher extrêmement respecté. Et le jeune Abdelkader, Abdelkader ce qui signifie le serviteur du puissant, euh, a un don, véritablement il a un don, puisqu'à 5 ans il sait déjà lire et écrire, et il demande à son père de faire le Hajj, le pèlerinage de la Mecque. Imaginez qu'à 18 ans, il a déjà accompli ce fameux pèlerinage. Alors il va entrer dans l'histoire à la suite de la conquête française de l'Algérie à partir de 1830. En 1830, le roi Charles X, qui connaît de très très grosses difficultés intérieures, son pouvoir est, cont est extrêmement contesté. La restauration va se servir d'un prétexte, un affront fait par le gouverneur en fait de l'Algérie pour le compte du sultan. De Constantinople, puisqu'à l'époque euh, l'Algérie dépend, en fait, est une dépendance du sultanat euh, d'Istanbul, de Constantinople, va profiter donc d'un affront pour lancer une conquête, l'expédition d'Alger, 1830. Et à partir de cette expédition punitive d'Alger, les Français vont se lancer dans la conquête de l'Algérie. Et Mouyéidine, le père donc du jeune Abdelkader, va fédérer les tribus de l'Ouest euh, algérien. Malheureusement pour lui, euh, il va mourir très très tôt euh, au moment de cette rébellion euh, de, de l'Algérie. Et euh, les autres chefs de tribu vont voir ce jeune homme. Il est né en 1808, imaginez, donc il est, il est extrêmement jeune à l'époque. Il a 23 ans et ils vont être séduits par son discours. Et c'est euh, Abdelkader qui va mener le djihad contre les Français. Il va se lancer donc dans une guerre pour essayer de chasser l'occupant. Alors cette guerre va être mêlée de victoires du côté d'Abdelkader et des arabo-musulmans d'un côté. Et du côté des Français de l'autre, des scènes assez terribles hein, se passent durant euh, cette guerre. C'est le maréchal Bugeaud qui est envoyé par le roi Louis-Philippe euh, sur place. Sont restés tristement célèbres les enfumades euh, euh, à l'égard de certains euh, guerriers euh, algériens. Et de l'autre côté, euh, certains chefs, euh, les seconds, les lieutenants euh, d'Abdelkader, se livreront également à quelques exécutions euh, de prisonniers. Mais par contre, un profond respect des chefs les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, Bugeaud, par exemple, considère qu'Abdelkader est un véritable génie. Il utilise à plusieurs reprises cette expression dans sa correspondance, y compris avec le roi euh, Louis-Philippe. Euh, on le compare au sein de l'armée, euh, le général Lamoricière, qui est l'un des seconds de Bugeaud, euh, avec Jugurtha. Hein, qui avait euh, euh, lutté contre les, contre les Romains. Donc vous voyez un grand respect. Et inversement, euh, Abdelkader a du respect pour un certain nombre de chefs, de commandants euh, de l'armée française. Alors je le disais, euh, des batailles qui, pour les unes, sont victorieuses, pour les autres, sont un échec pour Abdelkader. Et finalement, en 1837... Et conclut une convention de paix qui va reconnaître à Abdelkader la souveraineté sur une partie du territoire algérien. Il va constituer un État. Il est le chef de cet État. Alors, État qui présente la particularité d'avoir une, une capitale, mais une capitale qui est assez mobile. C'est la fameuse Smala d'Abdelkader. Il se déplace pour éviter, justement, éventuellement d'être pris par ses adversaires. La guerre va finalement reprendre. En 1837, on ne sait pas trop qui est le véritable fautif de cette reprise des hostilités. Est-ce que ce sont les Français Est-ce que c'est l'émir Abdelkader Toujours est-il que pendant six ans, là encore, victoire d'un côté, victoire, victoire de l'autre, jusqu'à une trahison qui va livrer en 1843 l'Asmala, la capitale d'Abdelkader, au duc d'Omal qui est le fils en fait de Louis-Philippe et euh, qui euh, est avec le maréchal Bugeaud le commandant euh, des troupes euh, françaises. Abdelkader se, réfugi se réfugie au Maroc, voisin. Le Maroc est indépendant, lui, par rapport euh, au sultan de Constantinople. Et euh, il va être trahi, trahi par euh, le souverain du, du Maroc, hein, qui va euh, se retourner euh, du côté euh, du roi euh, Louis-Philippe. Et au bout du compte, en 1847, très peu de temps d'ailleurs après une très très belle victoire qu'avait remporté Abdelkader, qui s'appelle la victoire de Sidi Bel Abbès, eh bien, euh, il est contraint, parce qu'abandonné euh, par un certain nombre de ses lieutenants, euh, d'autres ont été faits prisonniers, d'autres ont été vaincus et tués, il se livre euh, euh, au euh, duc d'Aumale avec l'espoir. Un aman en fait est conclu. Il obtiendra ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une sauvegarde et puis un passeport qui va lui permettre de se réfugier en terre sainte d'islam. Il envisage de se rendre à La Mecque, à Médine ou à Damas pour y finir ses jours. Et malheureusement, le roi Louis Philippe ne va pas tenir son engagement, c'est-à-dire que cette reddition dans l'honneur a lieu en décembre 1847. Un bateau euh, emmène Abdelkader vers ce qu'il croit être l'Orient, et pas du tout la destination, c'est la France, c'est l'enfermement, à partir de février 1848, au fort de Lamalgue, euh, à euh, Toulon. Euh, simplement, euh, si j'ose dire, Louis-Philippe n'emporte pas cette trahison au paradis, puisque quelques semaines plus tard, il est renversé et la République s'installe. Alors, dans les rangs républicains, on hésite. Certains voudraient libérer Abdelkader, ne serait-ce que parce que c'est la monarchie de Juillet et donc Louis-Philippe qui l'a fait arrêter. Et d'autres, au contraire, considèrent qu'il est trop dangereux, que la rébellion pourrait reprendre. Il est devenu une figure symbolique en Algérie euh, s'il était libéré. Et que va décider la République Elle va envoyer un jeune commissaire de la République, c'est-à-dire un jeune préfet, euh, pour le voir. Il s'appelle Émile Olivier. Il est le plus jeune préfet de France, 23 ans, un républicain authentique, pour discuter euh, avec Abdelkader. Émile Olivier est séduit par la personnalité d'Abdelkader. Il conseille euh, que la République, elle s'honorerait, libère Abdelkader. Mais pour des considérations, on va dire, assez politiciennes, il ne va pas l'être libéré on va simplement, euh, je dirais, faciliter euh, son emprisonnement, adoucir son emprisonnement, en l'envoyant au château d'Henri IV, à Pau. C'est très intéressant parce qu'Abdelkader ne connaissait pas l'Occident avant euh, cet emprisonnement. Il a découvert la France en débarquant euh, sur le littoral provençal. Et là, il va découvrir des merveilles sur le trajet qui va l'emmener de Toulon jusqu'à Pau. Et il va se dire, mais les Français ont tout chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué euh, l'Algérie Nous sommes des gens pauvres, nous sommes des, des bédouins, euh, nous n'avons que le désert et eux ont des richesses absolument euh, inouïes, ont un climat favorable. À Pau, comme je le disais, euh, sa captivité est adoucie. Il obtient la possibilité de recevoir les grandes figures politiques du pays. Et il fascine Abdelkader. Ces grandes figures politiques veulent toutes voir Abdelkader pour discuter avec lui. Prosper Enfantin, qui est l'un des fondateur, l'un des propagateurs du, du Saint-Simonisme, considère que l'Algérie recèle de merveilleuses potentialités de développement et il veut discuter avec Abdelkader justement pour voir ce qu'on peut faire avec lui. Prosper Enfantin respecte profondément les musulmans, respecte profondément les euh, arabes. Abdelkader reçoit ces gens, euh, il a le sens de l'hospitalité, mais par contre il se considère prisonnier, et donc euh, il refuse les promenades hors du château de Pau euh, qu'on l'autorise euh, à faire. Dans un deuxième temps, il va être enfermé dans un autre château, qui est le château d'Amboise, où là encore sa captivité sera une captivité un petit peu dorée. Il a autour de lui euh, ses trois femmes, ses deux fils qui l'ont accompagné, et toute sa smala. Donc vous voyez, il est au milieu... Des siens. Le contexte français de 1848 est un contexte très troublé. Une république s'installe, une république qui veut une colonne vertébrale et qui finalement dans sa constitution va inclure pour la première fois dans notre histoire l'élection d'un président de la république au suffrage universel masculin. Et qui va être élu le 10 décembre 1848 Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de l'empereur. Napoléon. Il va être élu absolument triomphalement. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, s'installe à l'Élysée. Il a énormément entendu parler d'Abdelkader il a entendu parler de lui en bien. Il a entendu parler de lui en mal, car en France s'est développée en 1848 une double propagande. Abdelkader, le valorisé, s'est montré que les Français ont vaincu un très très grand chef de guerre. Donc vous avez une grande propagande qui glorifie en fait Abdelkader, qui le présente comme un grand seigneur de la guerre. Et puis à l'inverse, il incarne aux yeux des Français euh, un arabe, un musulman, et on connaît mal la civilisation arabo-musulmane en France, et donc il y a une forme chez certains membres de l'élite française de l'époque, il faut le dire, de mépris à l'égard d'Abdelkader. Louis-Napoléon Bonaparte n'a absolument pas ce mépris. Il connaît très très mal le monde colonial. L'Algérie est en train d'être transformée en colonie. Simplement, il est Saint-Simonien. Il a lu les écrits. De Prosper enfantin, et il a vu que nous avons affaire là à une très très grande civilisation et de belles potentialités en Algérie. Il va réunir en janvier 1849, deux mois seulement après avoir été élu président de la République, un conseil au sein duquel va figurer le maréchal Bugeaud ainsi que son ministre de la guerre, le général Rullière. Il va leur demander s'il ne serait pas bon de libérer euh, l'émir Abdelkader. Et unanimement, ils vont lui dire L'émir Abdelkader est une grande personnalité, peut-être faut-il encore adoucir sa captivité. En revanche, il est devenu un symbole, il faut le maintenir en captivité. Alors il faut savoir que le président Louis-Napoléon Bonaparte, dans ses premiers mois de sa présidence, n'a pas les mains libres. Il faudra attendre décembre 1851 pour qu'il réalise un coup d'État par lequel il va instaurer un régime qui ressemble beaucoup à celui de son oncle Napoléon Bonaparte, le consulat. Et il a gardé en tête cette histoire de l'émir Abdelkader. Et il se souvient que Napoléon Bonaparte, qui lui-même avait entrepris la fameuse expédition d'Égypte, était très ouvert, très tolérant vis-à-vis -vis de l'islam et respectait la religion musulmane. Et lorsqu'à l'été 1852, au moment où il envisage de rétablir l'Empire, il va accomplir un grand tour de France pour consulter les populations, le 7 octobre 1852, il va prononcer un discours à Bordeaux. Et ce discours est absolument fondamental pour la suite, puisqu'il va dire... Nous avons fait la conquête, sous mes prédécesseurs, d'un très grand territoire qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie mérite d'être développée. De même que je serai bientôt sans doute l'empereur des Français, je désire être le roi des Arabes. Et quelques jours après ce discours de Bordeaux, il se rend à Amboise où est incarcéré Abdelkader et il va le libérer. Les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Abdelkader va revenir à Paris quelques jours plus tard, cette fois-ci libre, et il va assister à toutes les festivités du passage au Second Empire. Imaginez que le 2 décembre 1852, il est l'un des hôtes de marque du Palais des Tuileries, dans l'entourage immédiat de Napoléon III. Il faut appeler désormais Louis-Napoléon Bonaparte Napoléon III. Imaginez que Napoléon III, le nouveau souverain, lui fait les honneurs de sa loge à l'Opéra. Et alors là, un phénomène... Absolument incroyable. Apprenant qu'Abdelkader sera aux côtés de Napoléon III dans la loge de l'opéra, on raconte qu'au marché noir, les places de l'opéra se sont vendues très très chères. Tout le monde voulait voir ce fameux émir dont on parlait énormément. Abdelkader, qui a beaucoup entendu parler de l'oncle de Napoléon III, Napoléon Ier, demande à voir son tombeau aux Invalides. Il demande également à participer à une revue militaire à Satori. À cette occasion, Napoléon III lui offre un magnifique cheval blanc et il sera à ses côtés lors du défilé. Et puis Napoléon III tient sa promesse, il accepte que l'émir Abdelkader s'installe en Orient et il va aller s'installer à Brousse pendant quelques années. Napoléon III profite également un petit peu de la situation. L'un de ses auteurs attitrés, hein, il finance un certain nombre de propagandistes, qui s'appelle Eugène de Civry, va publier dans les mois qui suivent un livre qui s'appelle Napoléon III et Abdelkader. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il met les deux figures sur le même plan en disant que Napoléon III et Abdelkader sont des figures de la modernité de l'homme d'État au milieu des années. 1850. Abdelkader n'a pas rompu les liens avec Napoléon III. En 1855, à l'invitation de Napoléon III, il se rend en France pour l'exposition universelle, la deuxième de l'histoire après celle de Londres en 1851. Abdelkader adore les progrès scientifiques. Napoléon III va décorer une première fois Abdelkader à cette occasion. Une médaille va également être frappée en l'honneur d'Abdelkader. Les deux hommes se considèrent comme de véritables amis. En 1860, Abdelkader a quitté Brousse et s'est installé en Syrie, où son rayonnement fait que beaucoup de Maghrébins sont venus également s'installer en Syrie, à Damas, autour de lui. Il y a là-bas un quartier qu'on appelle le quartier des Algériens, pour bien marquer la forte présence justement de cet entourage d'Abdelkader. Et se produit une catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire qui va émouvoir une très très grande partie de l'Europe et du monde, à savoir que les Druzes, qui sont une secte musulmane, vont massacrer les chrétiens maronites. Le massacre qui a lieu dans les montagnes du Liban va prendre une grande ampleur tout autour et y compris à Damas. Les damasènes avec le consentement du gouverneur pour le compte d'Istanbul, vont également massacrer un certain nombre de chrétiens. Et Abdelkader va ouvrir très généreusement les portes de son palais pour que les chrétiens viennent de s'y réfugier. Les historiens estiment qu'entre 8 et 12 000 chrétiens ont eu la vie sauve grâce à l'Émir Abdelkader. Le premier à lui témoigner sa sympathie, c'est Napoléon III. Il va décorer l'émir Abdelkader, son ami, de la grande croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction d'un ordre français. Il reçoit des distinctions de toute l'Europe. Et le sultan, en voyant que Abdelkader a cette aura absolument inouïe, va lui-même lui accorder le Medjidier, qui est à l'époque le grand ordre de l'Empire Ottoman, et va le remercier de ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, des liens extrêmement étroits entre Napoléon III et Abdelkader, et des liens qui perdurent. Des liens qui perdurent parce qu'en 1860, Napoléon III va visiter l'Algérie. Il est le premier chef de l'État à le faire depuis la conquête en 1830. Un voyage qui est un voyage extrêmement important parce que Napoléon III va se rendre au contact des tribus arabo-musulmanes. Il ne se contente pas de voir les militaires, il ne se contente pas de voir les colons, il voit les arabo-musulmans et il veut établir un pied d'égalité entre eux, les colons et les militaires. Tout cela aboutira... Dans plusieurs décrets de 1863, c'est la fondation du projet qu'il présentait à Bordeaux en 1852 du fameux royaume arabe. Et il a une idée en tête. Il voudrait que Abdelkader devienne le souverain des frontières de l'Algérie jusqu'à l'empire ottoman, donc sur toute une partie du Maghreb et également le Mashrek. Un empereur des Arabes algériens. Napoléon III. Roi ou empereur, et un empereur pour toute la partie orientale, nord-orientale de l'Afrique. Abdelkader, sans doute par modestie, euh, il s'est beaucoup tourné vers l'islam, un islam euh, rénové, un islam qu'il a beaucoup repensé pendant sa captivité française, un islam des Lumières, inspiré par le soufisme de son père, eh bien, va refuser cette proposition de Napoléon III et se concentrer dans les mois qui suivent euh, vers la religion. Abdelkader, à partir des années 1860, s'est profondément tourné vers la religion, mais il a gardé le contact avec la France. Il reviendra en 1867 pour visiter une nouvelle exposition universelle à Paris. Il sera très ému de la chute de son ami l'empereur Napoléon III en 1870, il continuera à entretenir des liens avec la République, même si lorsque cette République deviendra extrêmement laïque et durcira son combat par rapport à la religion catholique, il comparera la religion catholique avec le sort de l'islam, il se détachera quelque peu de cette, de cette république. Abdel Kader a une aura absolument inouïe dans le monde musulman et arabe, mais en particulier en Algérie. Il a demandé à être inhumé dans le grand cimetière de Damas, à côté du lieu où venait méditer Ibn el Arabi, qui est un grand soufiste du Moyen Âge et dont il s'inspirait profondément. Au moment de l'indépendance de l'Algérie. Abdelkader, qui est un véritable symbole de la lutte contre l'occupant français et du patriotisme, eh bien, euh, le gouvernement euh, FLN de l'Algérie va euh, demander et obtenir le rapatriement de sa dépouille depuis euh, Damas jusqu'à Alger. Il va être inhumé au cimetière Elaya. Il va y avoir une grande statue d'Abdelkader qui va être euh, placée euh, sur l'une des grandes places du centre d'Alger. Euh, Mais, il y a un autre Abdelkader, c'est l'Abdelkader musulman, le euh, soufi, euh, qui est important. Et le FLN, pendant très longtemps, terra cet aspect religieux d'Abdelkader. Parallèlement, en France, Abdelkader bénéficie d'une aura, une aura qui, elle, s'est maintenue tout au fil de l'histoire, mais une aura qu'on ne retrouve pas forcément dans l'enseignement primaire, secondaire, et même supérieur français, c'est davantage l'élite française qui a placé Abdelkader sur un piédestal, au point de nommer l'un des plus beaux paquebots français de la Compagnie Générale Transatlantique, le paquebot Abdelkader, au point de nommer un certain nombre de lieux symboliques français du nom d'Abdelkader. Abdelkader a une place dans le 5e arrondissement à Paris, il a une rue à Toulon, il a une rue à Lyon, il a une rue à Amboise. La République française a également édité un timbre à la figure d'Abdelkader. Alors pourquoi cela Parce que Abdelkader, en France, a été perçu par l'élite comme celui qui faisait le mieux le pont entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentale. Tel est le message qu'a voulu laisser Abdelkader au regard de l'histoire. Au milieu des années 1850, il a écrit une lettre à tous les Français. Imaginez la modernité de la chose. Et dans cette lettre, que dit-il Je suis pour que les civilisations travaillent entre elles et réfléchissent entre elles comment pacifier le monde entier. Et il se désolait parce qu'il voyait bien ce qui allait advenir ensuite. C'est un visionnaire, Abdelkader, c'est d'une certaine façon un prophète. Il voyait bien des tensions naître et il disait Malheureusement, je crains que le message que je porte. Ne soit pas entendu. Alors il se trouve que depuis quelques années, le travail des historiens euh, y contribue énormément, mais également celui de fondation. La figure d'Abdelkader est redécouverte, y compris, je dois le dire, en Algérie. On s'aperçoit qu'Abdelkader a un message encore aujourd'hui au XXIe siècle à nous porter, c'est un message de fraternité entre les civilisations.